Salut YouTube, Eric Le Goat chez Galago Musique, un peu le retour, parce que ça faisait 2 semaines ou 3 semaines que j'avais rien posté. Voilà, un petit coup de mou, puis bah, ça repart, comme ça vient, voilà. Donc aujourd'hui, je vous présente Happy Together, voilà, comme quoi, y a pas de mystère. C'est sorti donc sur le troisième album des Turtles, un album éponyme qui est sorti en 1967. Voilà, donc je lis mes fiches en même temps, c'est pour ça que des fois je rame. Pareil pour les paroles tout à l'heure, apprenez vos paroles par cœur, parce que vous avez vu, je ne le fais pas et du coup je vous regarde pas et c'est un peu naze. Voilà, donc dans ce morceau on a 2, 4, 6, la pêche aujourd'hui, 2, 4, 6, 7 accords, 7 accords et demi en fait. Et à la main droite, une rythmique, peut-être même deux rythmiques, une rythmique plus simple et la rythmique que j'ai jouée dans la démo au début. Voilà, bon bah, et comme d'hab. Ah oui, normalement, il faut un capodastre, pardon, à la deuxième case. Je l'ai pas fait parce que sinon ça fait monter comme ça, grenier. J'avais un petit peu de mal. Voilà, donc les accords, et la rythmique, et la structure. Voilà. Alors, avant de vous parler des accords, je vais peut-être vous montrer l'intro. Alors, au début, je barre avec l'index au niveau de la deuxième case sur la corde de La et la corde de Ré. J'écrase comme ça. Et à la main droite, avec le médiator, je vais gratter la corde de La et la corde de Ré. Merde. Voilà, ça fait cet intervalle-là. L'intervalle, c'est la distance entre deux notes. Cet intervalle-là, cette distance-là, on appelle ça une carte juste. Un petit moyen de s'en souvenir de cette carte juste, c'est le départ de la Marseillaise. Voilà, en ces périodes électorales. Bref, voilà, c'était pour info. Alors, je fais. Et dès que j'ai joué cette deuxième note, je relâche la pression, désolé de vous faire des doigts comme ça à chaque fois. Dès que j'ai fait ça, je relâche la pression de l'index. Ensuite, l'index va partir. Le majeur va se poser à la troisième case du petit mi. Et je gratte la corde de si et la corde de mi ensemble, les deux dernières aiguës là. Une fois ça, après l'index descend d'une case, je regratte les deux mêmes cordes. Et ensuite, j'enlève l'index. Et je gratte les deux cordes vides. Ce qui donnerait dans la foulée. Deuxième fois. Le deuxième coup, je vais placer le majeur sur la troisième case de la corde de si. Je suis navré. La deuxième fois, je fais. Les deux cordes à vide. J'appuie avec le majeur sur la troisième case du si. Et je regratte à vide. Les deux plans d'affilée. Peut-être que je vais essayer d'incruster la tablature. À voir, ce sera peut-être une grande première. Bon, bref, alors les accords. Alors, un peu plus vite fait que d'habitude, l'accord de sol majeur. Référez-vous au petit schéma hein, pour vous en souvenir. Alors, le sol majeur, on l'a à la fin. Alors, au tout début du morceau, on va trouver d'abord mi mineur. Ensuite, un accord de ré majeur. Vous placez le pouce par-dessus le gros mi. Ensuite, un accord de do majeur. Vous essayez de bloquer le gros mi soit avec le pouce, soit avec le bout de l'annulaire en l'étalant un petit peu pour qu'il touche la corde de mi. Comme ça, il est bloqué. Do majeur. Ensuite, si septième, qui est un petit peu relou celui-là. Alors, c'est le petit triangle 2, 1, 2 et 2 tout au bout sur le petit mi. Et la corde de mi, pareil, vous la bloquez en allongeant le majeur contre la corde de le mi grave, quoi. Voilà. Ensuite, on a un accord de mi majeur. Celui-là, ça va. Et donc ici, on va avoir le choix. Dans le morceau original, ils font un accord de si mineur. Je barre à la deuxième case, toujours au plus près de la frette. Et je place avec les doigts restants une position de la mineure. On peut remplacer cet accord-là, si vous n'êtes pas encore tout à fait à l'aise avec les barrés, par un accord de ré majeur. Le ré majeur qu'on avait eu au début. Voilà. Et puis le sol majeur. Donc voilà. Et là, on a fait le tour de tout ça. Donc maintenant, bah, les rythmiques. Et puis après, bah, on attaque ça pour la structure. Alors pour la main droite, la version la plus simple serait de faire que des coups vers le bas. Quatre coups vers le bas faisant une mesure. Je vous prends la structure du couplet. On va trouver deux mesures de mi mineur, deux mesures de ré, deux mesures de do, deux mesures de si septième. Ce qui donnerait.
Bon voilà, c'est pas très varié, mais ça permet de s'en sortir. Si vous voulez faire sonner quand même ce truc qui fait que 4 coups vers le bas, essayez de rajouter un petit accent sur le deuxième et le quatrième coup. Il faut y croire à ce truc-là. Bougez quand vous faites. Et le premier coup, ensuite, pour essayer, pour éviter d'avoir un truc trop grade des 6 à chaque fois, le premier coup, vous faites que dans les basses. 1, 2, 3, 4 et 1. Voilà. En gros, c'est ce que fait le batteur hein, sur la caisse claire. Il fait pa, pa, pa. Il tape tous les temps comme ça. Bon, c'était la rythmique numéro 1. La rythmique numéro 2, j'ai mis un petit peu de temps à la choper parce que j'arrivais pas à trouver le bon groove. Là, je pense avoir trouvé le truc qui correspond au mieux, enfin, en tous les cas pour moi. Ça donnerait ça. Ba, ba, bo, ba, bo, ba, bo. Merde, j'en ai oublié. Ba, ba, bo, ba, bo, ba, bo, ba. Ah non, c'était bon. Ba, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qu'est-ce qui se passe? Je fais au début un premier coup vers le bas. Après, je fais que des allers-retours. On peut dire même trois allers-retours. 1, 2, 3. Donc, bas, 1, 2, 3. Bas, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas. Moins vite. Bas, bas, haut, bas, haut. Encore moins vite. Bas, bas, haut, bas. Donc, ce truc-là, cette espèce de tagada là, tagada. Ça, c'est ce qu'on appelle des croches shuffle ou des croches ternaires en fait. Habituellement, enfin pas habituellement, mais dans les rythmes disons plus binaires avec un découpage carré, ça donnerait ça. Bas, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas. Ça c'est des croches binaires. Bas, haut, bas, haut, bas, haut, noir. Deux croches, deux croches, deux croches. Pour faire les croches ternaires, les croches dites shuffle, on fait cette espèce de tagada. Bas, bas, haut, bas, haut, bas, haut, noir. Deux croches, deux croche binaire, noir, deux croches, deux croches, noir, ternaire, noir, deux croches, deux croches, noir. La vitesse est la même, c'est la manière de découper ces allers-retours. Bref, nous on utilise la version shuffle. On refait une dernière fois ensemble, encore moins vite. Bas, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, avec un mi mineur. Faire la substitution, soit vous faites le si mineur si le barré vous va, ça colle carrément au morceau, sinon vous faites mi et ensuite vous remplacez le si mineur par le ré. Je vous fais les deux versions. Même chose avec le ré. Merde, hein. Le ré est plus solaire en fait, il est vraiment... Ah, il éclate. Le si mineur, un peu plus terne, mais justement, c'est malinos, quoi. Ça permet de pas trop rentrer dans le trop facile, quoi. Bref, vous choisissez ce que vous voulez. Donc, refrain. Et les refrains, à chaque fois, on les a qu'une seule fois. Voilà, donc normalement, vous avez repéré la structure là qui s'affiche de ce côté-là de l'écran. Bon, bah, maintenant, je vous le refais plus vite, et enfin, d'un bout à l'autre, en fait. Avec donc
l'affichage, la structure de ce côté-là également. On recommence depuis le début avec l'intro. Pardon. Ce que j'aime bien faire, c'est des triolets que des allers-retours, comme la batterie en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ce qui fait donc une mesure de sine avec la rythmique normale et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On va essayer. Pas mal. Sur le dernier retour, j'enlève les doigts de la main gauche pour qu'ils arrivent bien à l'heure sur le mi. Justement, donc là c'est ce qu'on a, on appelle une modulation vers la tonalité homonyme, c'est-à-dire on est en mi mineur au départ, machin, 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 et sur le refrain, mi majeur. Donc c'est assez étonnant, et donc d'un seul coup, blah, pareil, c'est ultra, ultra bright. Encore une fois, la deuxième fois du couplet qui mène au refrain. Donc le do d'abord. So happy. Sur l'outro. Alors l'outro, il y a du vocabulaire aujourd'hui. Hein. Alors, outro, c'est quand on termine, il y a l'intro au début qui lance un morceau, et l'outro qui existe parfois, qui est une partie en soi qui finit le morceau. Donc là, pour le coup, sur la fin du dernier couplet, une fois qu'on a fait do, et là c'est le C, et le C c'est si mineur une mesure et mi mineur une mesure en boucle, plein de fois. Je sais, par contre, j'ai pas compté. Donc genre. Et le contre-champ. Si vous êtes deux, il y en a un qui chante. Dernier mot pour le lexique aujourd'hui, ce sera la tierce picarde. La tierce picarde, bah, c'est un peu le même principe que la tonalité homonyme, c'est-à-dire que dans un morceau mineur, genre mi mineur, c'est super triste, et on
balance l'accord majeur à la fin, à la place, pour, pareil, ouvrir vraiment les couleurs et tout, et la chaleur du truc. Donc la tierce picarde, ça se passe uniquement sur la fin du morceau, ou la fin d'une vraie section. Voilà, bah je crois que c'est tout. Ouais, c'est tout, bah j'espère que ça vous va. En tout cas, je suis bien content de vous retrouver. Il faut que je me retape encore un petit peu. Je suis un peu fatigué en fait. Mais je vais m'imager. Plein de projets en fait, et je sais plus trop par quel bout le prendre, mais je vais trouver la solution et surtout l'organisation pour arriver à le faire. En tous les cas, merci beaucoup. Merci de votre soutien, merci pour tous les messages et tout, c'est génial. À bientôt, amusez-vous bien, bonne guitare. Ciao.